Le cœur des esclaves revisité pour un opéra incontournable, Nabucco de Giuseppe Verdi, du 11 au 29 juin au Grand Théâtre de Genève. Le musée Ariana présente le travail de l'artiste Margaret Adep, découverte dans un instant. Des dessins d'un enfant réfugié de guerre devenu artiste, c'est le voyage auquel nous convie le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans sa nouvelle exposition. On s'y rend tout à l'heure. Et si Martin Luther était une rockstar, en tout cas, il leur ressemblait en certains points. Ça se discute en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Une simplicité radicale. C'est comme cela que le travail de l'artiste bernoise Margaret Adep se présente au musée Ariana. Une exposition en deux parties qui commence par un hommage au Japon, pays qui inspire l'artiste et où elle a passé du temps à créer. On y voit des pièces très simples, très sobres, des formes très pures, des formes géométriques, mais aussi des formes de fleurs stylisées. Elle évoque les cerisiers japonais avec des formes stylisées et des techniques différentes avec de la porcelaine, du grès, de la laque, du bois laqué et du grès cuit dans un four à nagama de manière traditionnelle. La seconde partie de l'exposition présente des pièces très récentes, dont certaines créées pour l'occasion. On y voit des pièces toutes récentes et justement cette utilisation de matériaux industriels comme des carreaux industriels qu'elle a mis au mur, comme une tôle ondulée en plastique qu'elle a simplement émaillée. Donc vraiment un jeu de code pour arriver à la simplicité formelle qu'elle recherche. Un travail fait de concepts rigoureux, de formes précises et d'une esthétique sans concession qui se situe à la confluence de l'art et du design. Autant chez Margaret Adep, le décor est assez rarement présent, autant la couleur est omniprésente. Et dans ces soleils levants au pluriel que l'on voit derrière moi, elle a soigneusement cherché toutes les teintes et c'est pour ça qu'elle travaille avec la carrosserie de voiture parce qu'il y a toutes les teintes possibles et elle a fait longuement des combinaisons de couleurs ont été mûrement réfléchies. Un musée a pour mission à la fois de conserver des œuvres du passé, mais être aussi présente à se positionner dans la création contemporaine et à suivre des artistes, à encourager des artistes. Alors on ne peut pas financer les œuvres, mais on peut leur offrir des espaces. Et là, la richesse de cette exposition, c'est l'espace. D'ailleurs, Margaret Adep a souhaité enlever des tables pour ouvrir l'espace de cette salle. Et contrairement à une galerie où il y a quand même l'impératif de la vente, dans un musée, on peut se permettre de laisser l'espace. L'exposition de Margaret Adep, Simpli Radical, est à découvrir au musée Ariana jusqu'au 24 septembre. Des couleurs, des oiseaux, mais également un char et des immeubles en feu, les dessins d'un enfant. Et cet enfant est devenu artiste. Dans les années 90, en pleine guerre du Kosovo, il vit dans un camp et raconte son quotidien et ses idéaux à l'aide de stylos feutres. They are fragments taken from drawings that I did when I was 13 years old, so 24 years ago, and invited by a psychologist called Giacomo Poli, which was as a volunteer in a refugee camp when I was part of thousands of people forced to flee their homes and their country by the war that was happening between Kosovo Albanians and the Serbian regime. Il y a 53 éléments qui sont minutieusement placés dans l'espace et ces sculptures sont imprimées d'un côté avec un aplat de couleurs de l'autre côté. Et cette impression sur le feutre, c'est un détail des dessins que l'artiste a réalisé quand il avait 13 ans dans les camps des réfugiés de Kukës 2 en Albanie. Ces structures monumentales en feutre tenues par des fils présentent deux tableaux. Quand on rentre dans la salle, on a d'abord cet imaginaire coloré avec des oiseaux, des plantes, des animaux et c'est un univers très joyeux. Aussi qui est issu de l'imaginaire de l'enfant, un univers fantasmagorique. Mais après, le plus on s'avance dans la salle, le plus on remarque que
les éléments que vous voyez derrière moi, qui sont des aplats de couleurs, en fait, révèlent à leur verso des images beaucoup plus sombres qui sont issues de la réalité, de la violence, de la guerre et du déplacement que l'artiste a vécu quand il était enfant avec sa famille. Cette exposition intitulée « Histoire inachevée » est présentée au Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de son année thématique sur la santé mentale. Le regard de l'artiste sur ses dessins d'enfant permet de s'immerger dans son esprit, de comprendre ses peines et ses espoirs. For me, it was really surprising to see how complex and how varied was those drawings. Si vous regardez bien les sculptures, il y a de temps en temps des petites plumes qui sont intégrées dans les éléments en feutre, et ces plumes sont des plumes que l'artiste a trouvées aujourd'hui au Kosovo, et c'est des oiseaux, voilà, qui sont présents ici, donc en façon de dessin, mais aussi physique, et parce que c'est une référence évidemment au fait de migrer, de bouger, mais aussi à connecter tous ces différents fils de l'histoire. L'exposition Histoire inachevée est à découvrir au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge jusqu'au 17 septembre 2023. Les stars d'hier sont-elles si différentes de celles d'aujourd'hui? Ça se discute. En tout cas, on trouve une réponse à cette question au Musée international de la Réforme. On voit ici le rapport de la Réforme à l'image au XVIe siècle, qui est très contrasté, avec notamment la personnalité de Martin Luther. Lui s'est fait représenter des centaines de fois, tout simplement parce qu'il avait compris que les textes ne suffisent pas et qu'il faut parfois les illustrer avec des portraits, et notamment le portrait des auteurs des textes. On sait que quand il traversait une ville, une bourgade, la rumeur précédait son arrivée et les gens se pressaient sur le seuil de leur maison pour le voir passer. Donc il y avait déjà aussi l'idée que les personnes publiques et les personnes qui en fait, touchent les gens sont comme en fait, des rockstars. Les musées de Genève, une intelligence réelle qui répond à tellement de questions.